et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée et j'en profite parce que j'ai le temps donc pour vous faire cette vidéo. C'est une vidéo sur mes produits du moment. Donc mes produits cheveux, mes produits corps, mes produits make-up et puis je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Du coup, on va commencer tout de suite par la catégorie cheveux et soins des cheveux. J'utilise en ce moment 4 gammes. Du coup, je fais tourner. J'ai 4 gammes vraiment que j'utilise plus principalement. J'ai d'autres produits cheveux qui sont déjà entamés. Mais voilà, j'aimerais bien me concentrer sur ces 4 gammes-là en ce moment. Donc, tout d'abord, j'utilise la première gamme, c'est la Elsev de L'Oréal Total Repair 5. C'est une gamme que j'adore. Elle sent super bon. Elle me rend les cheveux doux et soyeux. L'odeur reste vraiment sur les cheveux. Et en ce moment, du coup, je l'utilise avec l'après-shampoing. Voilà, je n'utilise pas le masque. Donc là, c'est pour les cheveux abîmés. Soit je l'utilise en combo comme d'habitude avec un masque ou alors avec un après-shampoing. Et là, j'avais de l'après-shampoing en stock. Donc, du coup, j'ai mis ce combo-là. Et franchement, j'adore. J'adore cette gamme de chez L'Oréal. Elle répare vraiment bien les cheveux abîmés. Il y a du calendula dedans. Et franchement, elle est vraiment très, très bien. Donc, celle-ci, franchement, je vous la recommande. En plus, les LCF, c'est des bons rapports qualité-prix. Et il y a souvent des promos dans les grandes surfaces. Une autre gamme que j'utilise également, c'est une gamme de chez Garnier. C'est la érable guérisseur comme ceci, donc de chez Ultra Doux de Garnier. C'est cheveux très abîmés. Alors déjà, j'adore l'odeur. Pour moi, l'odeur, c'est important en fait dans les shampoings. Je sais, c'est peut-être bête, mais franchement, cette odeur d'érable guérisseur est juste, comment vous dire, ça sent vraiment très très bon et franchement c'est une gamme qui me fait vraiment du bien à mes cheveux. Donc moi je lave mes cheveux le dimanche et le mercredi, uniquement 2 fois par semaine. Avant c'était quasi tous les jours, tous les 2 jours, maintenant j'arrive quand même à espacer et franchement cette routine me convient très très bien. Une fois le mercredi soir, une fois le dimanche soir, franchement c'est l'idéal. Et du coup comme j'avais des shampoings comme ceux-ci dans mes stocks, je n'avais plus de masque. La dernière fois chez Carrefour, j'ai trouvé dans les petits prix ce démêlant. Voilà, en gros format, c'était un format 400 ml. Donc comme il me reste encore un shampoing comme ça dans mes stocks, ça tombe rudement bien. Donc voilà, j'utilise ce combo-là et franchement, j'adore cette gamme. Je suis pas très très fan des gammes ultra doux de chez Garnier. Il y en a peut-être une à la noix de coco que j'ai testée il y a déjà un bon moment et que j'adore. Mais celle-ci est vraiment super et franchement, les cheveux sont vraiment très doux, très soyeux. L'odeur reste sur les cheveux et franchement, ça c'est vraiment très très agréable. Une autre gamme que j'adore et que j'utilise très très régulièrement, celle-ci, c'est la Elsev huile extraordinaire de coco. Donc celle-là, je l'adore. D'ailleurs, j'avais fait un stock assez important, on va dire, voilà. Donc j'en ai encore en stock. J'adore l'odeur également, ça a une bonne odeur de noix de coco. Les cheveux sont soyeux, sont démêlés, sont doux. Ils sont brillants et franchement, voilà, j'aime bien. Donc là, c'est brillant, sublime et fluidité, cheveux normaux à sec. Donc là, c'était un gros format que j'avais dû avoir dans un magasin Aldi, me semble-t-il. Du coup, j'ai un démêlant qui va avec, le démêlant nutrition haute légèreté huile extra fine de coco. C'est vrai que je pense qu'il y a un petit peu d'huile à l'intérieur parce que ça rend les cheveux vraiment très 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 brillants. Franchement, j'adore. Et avec des combos comme ça, on fait quand même un bon moment. C'est des gros formats. Donc là, j'utilise en ce moment ceci, mais il me reste également le masque comme ceci. Donc je fais pas forcément les trois, je fais soit avec l'après, soit avec le masque, parce que sinon ça fait beaucoup je trouve. Et franchement le masque est vraiment très très bien également. Pareil, si vous cherchez juste un masque pour vos cheveux, celui-là est vraiment tip top, je vous le recommande également. Donc ça, c'est vrai que les gammes de chez Elsev, elles sont vraiment très très bien. Franchement, j'adore.
Je suis tombée la dernière fois sur une gamme chez Lidl et j'en avais déjà testé deux de cette gamme. Et là, j'ai voulu essayer celle-ci. C'est les gammes de chez Herbal Essence. Franchement, ces gammes-là sont une dinguerie. Donc, c'est des shampoings vegan, cheveux abîmés, 95% d'origine naturelle, à l'huile d'argan. Donc là, c'est la bleue. Donc, il y a l'après-shampoing qui va avec et également le masque d'ailleurs qui est presque terminé. Huile d'argan du Maroc. Cette gamme est vraiment une pépite. Je l'ai déjà testée à l'huile de coco. Alors celle-ci, je pense que c'est une de mes préférées également. Et j'ai aussi Moringa doré, mais je n'arrive pas à trouver comment. Je n'arrive pas à trouver l'après-shampoing pour pouvoir finir ce shampoing-là. La dernière fois, il n'y en avait plus du tout. Donc c'est pareil, celle-ci, huile de moringa dorée, c'est une dinguerie. Donc ces gammes-là de chez Herbal Essence sont souvent en promo dans les Lidl. Et franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça vous revient à 2 euros le shampoing, 3 euros le masque. Franchement, vous pouvez avoir un beau combo pour pas cher du tout et qui est efficace sur les cheveux. Et franchement, moi, je tourne du coup. Le mercredi, je fais par exemple le SM. Le dimanche, je fais le Herbal Essence. Et franchement, j'adore ces routines-là, cheveux, qui sont vraiment très très bien. Voilà donc pour mes 4 routines cheveux que j'utilise principalement en ce moment. J'en ai d'autres neuves. J'en ai d'autres aussi qui sont dans ma petite palette de combo de shampoing. J'ai également le Elseve rouge que j'adore, le Dream Long de chez L'Oréal également que j'aime aussi beaucoup. Mais du coup, comme j'ai fini soit l'après, soit le shampoing, etc., avant de remettre en route, je préfère déjà finir ces 4 combos-là. Et du coup, pour parfaire le coiffage, le lissage, etc., j'utilise depuis des années et des années cette huile de chez Kérastase que j'adore également. C'est l'élixir ultime. C'est une huile qui est dans un flacon en verre. C'est un 100 ml et franchement, ça fait, je sais pas, une paire d'années que je l'ai. Mais j'adore cette huile-là pour les cheveux. Donc effectivement, elle vaut un peu plus cher que d'autres. Je ne sais pas, ça doit faire peut-être un an et demi qu'elle est entamée. Je l'avais donc achetée sur Amazon. Mais franchement, j'adore cette huile-là pour les cheveux. Elle est vraiment très très bien. Je vous la recommande. Elle sent très très bon. Elle laisse pareil une odeur sur les cheveux. Puis Kérastase, ben, comment vous dire, c'est quand même de la bonne qualité. Et en parlant de Kérastase, actuellement, j'utilise aussi en plus de mes 4 combos, le absolu violet de chez Kérastase. Donc, je vous insérerai une petite photo dans le coin de l'écran. À peu près tous les 3 à 4 shampoings, je fais un shampoing violet pour les mèches blondes. Et franchement, je l'adore aussi. C'était un cadeau de Noël de l'année dernière. Et franchement, c'est une gamme que j'adore et qui est vraiment très très bien. Avant, j'utilisais la L'Oréal violet, voilà, tout simplement. Là, je n'en ai plus du tout. Et à Noël l'année dernière, on m'a offert la Kérastase. Et franchement, j'adore. Et je pense que je vais redemander ça à Noël. Parce que franchement, c'est un très bon cadeau. C'est un coffret avec 3 produits. Et ça vaut vraiment le coup. Et L'Oréal, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc voilà pour les combos shampoing. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'utilise actuellement sous la douche. Donc tout d'abord, un produit incontournable chez moi sous la douche, c'est le Roger Cavaillès pour la toilette intime au calendula apaisant. Je n'utilise que ça pour la toilette du bas. Ayant eu beaucoup, beaucoup de soucis d'infection urinaire et d'autres choses, je n'utilise plus que ça au niveau du bas. Je ne mets plus de gel douche, etc. Je n'utilise plus que du Roger Cavaillès et ça me le rend vraiment très, très bien. Donc là, c'est un flacon pompe, celui-ci, en 250 ml. Il est vraiment très, très bien. Donc je l'achète en parapharmacie ou en pharmacie quand il y a des promos à chaque fois. Là, je sais que j'en ai 2 d'avance parce que je sais que ça ne sera pas perdu. Et voilà. J'utilise ça régulièrement. En gommage pour le corps, actuellement, j'utilise les délices de Nocibé. Celui-ci, c'est parfum tarte amandine. Donc, comment vous dire, ça sent
Divinement bon, la poire, voilà. J'adore Nocibé, j'adore les délices de Nocibé, comme vous le savez, j'y vais régulièrement. Et j'adore ces produits-là, que ce soit les gels douche, les gommages ou les bombes de bain. Et ça, c'est une nouvelle senteur qu'ils ont fait en décembre l'année dernière pour Noël. Et franchement, ce gommage est très très agréable. Donc des petits grains bien sympathiques qui ne sont pas trop agressifs. Une odeur vraiment subtile, voilà, de poire. J'adore, j'adore, j'adore. En gel douche, actuellement, j'ai celui-ci. Donc, c'est le Coconut Milk. C'est un flacon pompe. C'est mon ami qui me l'a offert. C'est un gros format. Celui-ci, c'est un format 500 ml. Et ça sent divinement bon, la noix de coco. J'adore. Voilà, donc c'est à usage familial. C'est très, très bien. Un autre grand format que j'utilise en ce moment et qu'on utilise tous d'ailleurs, c'est la crème soft de Nivea en 750 ml que j'avais acheté dans un magasin de déstockage qui a fermé près de chez moi. Et franchement, j'adore le gel douche Nivea. Ça sent le produit pour bébé, ça sent le doux, le propre. Franchement, c'est très très agréable de se laver avec ceci. Donc là, c'était un gros format et franchement, je regrette de ne pas en avoir pris plus. Et un autre gros format que j'utilise également et que nous utilisons tous en ce moment, c'est un gel bain-douche de chez Roger Cavaillès également, sur gras actif. Donc là, c'est un gros flacon pompe de 1 litre. Et l'odeur, la senteur, c'est amande verte. Ça sent trop trop bon, l'amande douce. C'est pour les peaux sensibles. Et le Roger Cavaillès, là, vous pouvez l'utiliser également pour la toilette intime. Donc c'est vraiment très très bien. Testé dermatologiquement en 1 litre, un flacon pompe, j'adore. Voilà, c'est un très bon produit et je suis très contente d'avoir ça sous ma douche actuellement parce que ben voilà, quand on arrive vers l'hiver, la peau commence à s'assécher, etc. Et c'est des produits qui sont vraiment bien nourrissants pour la peau. Donc je vous recommande ces produits et c'est pareil en parapharmacie, etc. Il y a souvent des lots, des promos, etc. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, du coup, pour le après-douche, après-bain, etc., du dimanche, j'utilise un lait pour le corps de chez Yves Rocher que j'adore. Et ça, c'est une très belle découverte pour moi. Je ne suis pas trop lait pour le corps, etc. J'aime pas trop me tartiner. Mais c'est vrai que j'apprécie quand même de mettre quelque chose sur ma peau après le bain du dimanche. Ce produit-là, je l'ai découvert l'année dernière dans un coffret qu'on m'avait offert pour Noël. Et franchement, j'adore. C'est le Karité Extraordinaire, lait corps réparateur, peau extra sèche en 200 ml. Ça nourrit vraiment très très bien la peau. Ça laisse un effet soyeux, doux, ça sent. Alors désolée, je pense que j'ai eu un problème avec mon téléphone. Je crois que le stockage est un petit peu complet. Il faut que je fasse du tri dans mes vidéos. Donc je vais vous parler de ce Karité Extraordinaire. Donc ce lait pour le corps réparateur de chez Yves Rocher. C'est une dinguerie. Donc là, c'est un format 200 ml. Je l'avais découvert dans un coffret de Noël. Et franchement, j'adore. Voilà. J'adore l'odeur. J'adore tout en fait dans ce lait pour le corps. Donc je ne suis pas très lait pour le corps, mais c'est vrai qu'après le bain du dimanche, c'est bien aussi de nourrir sa peau. Et franchement, ce lait-là pour le corps est vraiment tip-top. Il existe également le gommage sous la douche et le gel douche qui sont vraiment très très bien. Donc si vous cherchez un lait pour le corps nourrissant, hydratant et en plus qui sent bon, n'hésitez pas. Donc voilà pour ceci. Ensuite, en ce moment, en déodorant, j'en utilise deux. J'utilise le Sienne déodorant 24 heures. Celui-ci, c'était une édition limitée. Parfum de vanille, caramel et cannelle. 0% d'aluminium. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. J'avais acheté le gel douche qui allait avec et j'aime bien vraiment tester ces éditions limitées de chez Lidl qui sont vraiment tip-top. Et un autre déodorant que j'adore et que malheureusement je n'arrive plus à retrouver chez Action. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas, foncez. C'est le Dove Go Fresh à la poire. Celui-ci, c'est une dinguerie. Il sent divinement bon. Vous avez l'odeur de poire sur vous toute la journée et franchement au niveau transpiration, il est vraiment très très bien, je vous le recommande. Donc en ce moment, j'utilise donc ces deux déodorants-là. Ce sont des pépites tout simplement. Voilà, je vous les recommande. Donc pour celui-ci, bah non parce que c'est une édition limitée. Mais le Dove, franchement, c'est une valeur sûre.
Nettoyant pour le visage, je n'en utilise qu'un seul en ce moment, c'est le Sanoflore, la mousse magnifica, en 150 ml. Donc, mousse nettoyante anti-imperfection, peau nettoyée, lisse et matifiée. Si vous adorez les odeurs d'huiles essentielles, de lavande, etc., ça sent divinement bon. Ça nettoie vraiment très très bien la peau et avec un flacon comme ça, vous faites une plombe. Franchement, vous mettez de pulvérisation, ça suffit pour bien nettoyer votre visage. J'adore cette mousse-là nettoyante. Alors effectivement, elle est un peu plus onéreuse qu'une mousse de chez Action. Mais franchement, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, n'hésitez pas. Elle est vraiment tip-top, je vous la recommande. Pour parfaire le démaquillage et pour parfois me passer un petit bout comme ça, j'utilise une eau micellaire. En ce moment, c'est la Nivea micellaire. O2 oxygénation, démaquillant tout en un matifiant, visage, yeux, lèvres, sans rinçage, peau mixte à grasse. Elle est vraiment tip top. C'est un format 400 ml. C'est mon amie qui me l'a donné parce qu'elle a des soucis avec sa peau. Et franchement, elle n'a pas trop d'odeur particulière. Mais franchement, elle fait son job tout simplement. Donc là, moi, c'est vrai que les eaux micellaires, ça part quand même relativement vite parce que ma fille en utilise également. Donc c'est vrai que les formats comme ça, 400 ml, ben voilà, ça s'utilise très très bien. Il faut que je ressorte une eau de rose parce que j'ai terminé la mienne et je n'en ai plus. Donc sinon j'utilise l'eau de rose de chez Action ou tout simplement la Nuxe, la Very Rose que j'adore également. En ce qui concerne le maquillage, ça va aller très très vite en ce moment. Et depuis un petit moment déjà, je n'utilise plus de fond de teint comme vous le savez. J'utilise la CC Crème de chez Herborian ou la BB Crème en teinte claire. Donc comme d'habitude, là c'est un format 15 ml. Je n'utilise que ça. Voilà, je n'utilise plus de fond de teint. Ça va faire quasi 2 ans maintenant. Et ma peau me le rend bien. C'est top. Franchement, vous avez l'impression de rien avoir sur la peau. Ça laisse votre peau respirer. Ça sent divinement bon. Et ça matifie un petit peu votre teint. Mais vraiment très très bien. Après, j'utilise ma poudre matifiante de chez Essence. Donc là, c'est ma dernière. La All Hubbat Matte Fixing en 8 grammes. Celle-ci, elle est vraiment tip-top. Je vous la recommande. Donc là, mon amie va aller chez Auchan prochainement. Donc, elle va me faire mon petit stock de poudre. J'utilise deux mascaras en ce moment qui sont sortis. Donc, c'est le Maybelline. Celui-ci, le Curl. Il est presque fini. Hein. D'ailleurs, je vais bientôt le jeter. Et le Vice Versa de chez Nocibé que j'adore. Nocibé, ils font vraiment des très bons mascaras. Donc voilà, mascara noir. J'en ai deux en ce moment, deux sorties. Donc je vais bientôt en ressortir un neuf. Celui-ci, il m'en reste encore un petit peu. Mais j'adore les mascaras de chez Nocibé. Et celui-ci, la brosse est super bien également. Je l'adore aussi. Voilà, donc très très bien pour ces deux mascaras. Je vous dis, je ne me maquille plus beaucoup. Je mets un petit peu d'highlighter quand même. Et j'utilise le Thin Skin que j'avais acheté chez Nose et qui est vraiment très très bien. Il est comme ceci. Voilà. Vraiment très très bien. Donc c'est un champagne. Hein. Voilà, parfait. Et pour fixer tout ça, je mets quand même le Fixing Spray de chez Révolution. Voilà, Make-up Révolution que j'ai déjà depuis un moment également. C'est un 100 ml et il est vraiment très très bien. Donc voilà pour ma petite routine maquillage. J'ai un petit peu de mal à le reprendre un petit peu les fards à paupières. Peut-être que ça va revenir. Mais c'est vrai que je ne mets voilà, plus vraiment grand chose sur moi. Alors j'utilise quand même du blush. En ce moment j'utilise principalement les deux blushs de chez Max & More que j'adore également. Donc c'est le Dusty Rose en 164 et le Pink Coral en 162. Donc comme vous le voyez celui-là, je l'adore, le Dusty Rose. D'ailleurs il commence à être sur le pan. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un passe-partout je trouve. Bon rapport qualité-prix en plus de chez Max & More. Voilà, donc ils sont vraiment très très bien ceux-là. Donc c'est des 6 grammes. Et un que j'adore également, c'est le Red Valentine que j'avais acheté chez Nose de chez Mesoda. Il est en forme de cœur, voilà, tout simplement. Donc j'en ai deux comme ça. Et là, en ce moment, j'utilise principalement le Wifi en référence 101. Ça, c'est vraiment des petites pépites, franchement. Si vous tombez dessus chez Nose, n'hésitez pas à foncer. J'ai plusieurs produits de la marque Red Valentine. J'ai une palette, deux blushs, deux rouges à lèvres Mesoda. Franchement, je les adore. C'est une très bonne marque que l'on trouve chez Nose en déstockage. Mais on les trouve également chez Nocibé.
Voilà, voilà pour cette vidéo des produits du moment. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée du coup pour les petits coupages. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. C'est les aléas, on va dire, des vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à liker, à commenter, à me dire si vous utilisez les mêmes produits que moi. Je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!